Hello à tous, c'est Gwensan, et aujourd'hui, on attaque le quatrième épisode de la maquette, enfin de la préparation de la maquette. Alors là, on passe sur un logiciel, Kanban Plus. Alors c'est un logiciel qui permet de, je vais vous le montrer en même temps, ouvrir, je pense ça, donc voilà, j'ai l'élément là. Les éléments là, donc là c'est un morceau du socle, là c'est la porte, le machin, des trucs comme ça, ça c'est le bord de la maison, des petits morceaux, et puis ça, voilà. Donc le but c'est de préparer notre nos parcours d'outils. Alors déjà on va oui, merci. Un truc, alors faut tout sélectionner bien sûr, parce qu'il faut poser, je vais vous parler de ça deux secondes, ça c'est l'origine, c'est à dire que comme dans Minecraft on a x, y et z, hein. Donc z en hauteur ici par contre, si je fais ça, c'est comme dans SketchUp, hein, pareil, hein, des coordonnées quoi. Donc il faut impérativement que ça soit au centre du de ça, et que ça soit dessus. Donc alors ce qu'il faut faire, c'est que déjà on vient dans, par contre faut vraiment tout sélectionner, si vous loupez quelque chose ça sera pas au centre. On va dans transformer, aligner, et là ben on laisse par défaut, enfin c'est ce que je mets par défaut tout le temps, donc centre, donc x, y, là c'est au centre, et le Z il sera au dessus, donc la grille là elle sera au dessus de mon bazar, vous voyez. Hop. Si on revient alors comme ça, on peut les sélectionner, mais il faudra que je resélectionne de toute façon, vous voyez on est bien au milieu. Alors ici c'est toutes mes surfaces, donc j'ai 20 surfaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est de tout sélectionner, de faire alors notre outil de profilage 3D, c'est ça, donc on a plusieurs outils, nous ce qui nous intéresse c'est ça. Si j'avais fait dans un autre logiciel à plat avec juste des lignes qui s'appelle Polyligne, ça là, on aurait pu faire direct avec contour, ça aurait été plus facile, mais là comme j'ai tout fait sur SketchUp, déjà d'une part pour voir comment ça rend, là on va faire en 3D, donc on aurait pu faire ça, commencer nos trucs et tout, puis après générer le truc, mais le problème c'est que j'ai remarqué avant de faire, avant de vous montrer, j'ai fait un essai, hein. Il y a des fois par exemple, alors c'était où, c'était ici, donc mon machin il vient là, il découpe là, hop, il s'arrête, il vient là, il fait ça, il s'arrête, et ici du coup là c'est pas usiné. Alors le truc c'est que on va désélectionner, on va prendre notre première surface, on va décider de faire un profilage 3D juste, vous voyez, notre première surface c'est celle là et on va commencer à donner des indications de ce qu'on aura chargé. Alors là je vais mettre un diamètre 6 parce que je n'ai pas encore regardé mes fraises, mais il me semble que c'est un diamètre 6 que j'ai. Numéro d'outil, donc bon, on peut laisser 0 vu qu'il y aura toujours qu'un seul outil. S'il y aurait eu plusieurs outils automatiquement, mais outil 1 pour faire les premières toutes les premières choses avec l'outil 1, et après un outil 2, etc, etc. Donc là je vais mettre outil 1 au cas où. Alors gamme de vitesse, bon ça je sais pas pourquoi, mais on a beau faire n'importe quoi ça change rien du tout. Vitesse de rotation,
Pareil. Alors, vitesse d'avance, je vais laisser standard. Je peux éventuellement après accélérer manuellement. Ou alors je vais mettre la vitesse d'avance, on va mettre 1000. Donc 1000 c'est 1000 mm par minute. Sachant que le maxi c'est 2000 mm, donc là on est à moitié. C'est bon. La vitesse d'avance en plongée c'est juste avant d'attaquer la machine, vous voyez, la fraise elle descend, hop, elle commence à attaquer et après elle part. Voilà. Donc ça descend à 300 mm. Par minute. C'est-à-dire que ça va 3 dixièmes de moins de vitesse quoi. Donc déplacement latéral maxi. Alors ça, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un trait qui se met voilà, on découpe là par exemple. Et après là on découpe là. Donc là comme c'est à zéro, c'est comment dire, c'est joint. Ça va le faire d'un trait. Et si par exemple il y avait par exemple 0,8 mm, automatiquement ça se relève et ça repart à 0,8. En dessous de 0,7, c'est-à-dire d'ailleurs c'est peut-être pour ça que ça gênait là. Je ne me rends compte. Non, plus. Voilà, en dessous de 0,7, bah ça continue à usiner, ça se relève pas. Recouvrement. Alors ça, c'est pas non. C'est pas le service de recouvrement qui vous demande de l'argent, non. C'est. Alors, on a une petite aide ici, comme ça, on nous demande. Donc, incrément de passe, c'est. Comment dire? Nombre de fois, on va dire. Par exemple, ici, je vais vous le montrer direct. Je vais mettre 2. C'est les millimètres, 2 millimètres de découpe à chaque fois, à chaque passage. Donc pareil, là c'est horizontal. Donc c'est bon, en gros plus c'est fin, enfin si par exemple c'était à 0,1, ça passerait plusieurs fois à 1%, 10% de la fraise à chaque fois. Et si on met 1. Attendez que je réfléchisse un peu. Autrement, bon, je vous explique comme ça en gros, mais si vraiment vous voulez un truc assez détaillé, peut-être que je vous ferai des démonstrations. Vous voyez, par exemple, recouvrement à 4, à 0,4, et puis après à 0,1, 0,9, voir la différence entre les trois. La résolution, c'est... à hauteur, alors c'est pareil, voilà, recouvrement c'est ça passe plusieurs fois comme ça, plus il est fin plus ça passe serré, voilà, ça en gros c'est ça, plus il est grand, donc 0,1 ça passe serré, 0,9 ça passera plus espacé, voilà. Pareil en résolution, c'est la hauteur, donc voilà, c'est la hauteur quoi. Si par exemple on a comme ça à faire, par exemple on a ici là, on dit que ça c'est le dessus, comme ça et comme ça, avec la résolution, plus elle est basse, plus ça viendra chercher les profils là sur les côtés. Si on usine sur du dessus, là on laisse comme ça, mais et plus c'est haut, moins ça cherchera à aller chercher ici, ce sera dit du direct quoi. Donc vraiment, si vous avez des belles formes à faire, il vaut mieux avoir une petite résolution, enfin une haute, un petit chiffre quoi, on va dire. On peut aller jusqu'à 0,01, là c'est 0,2. On peut aller vraiment vraiment fin. Ça cherche le petit détail. C'est impressionnant comme truc. Donc alors on a une vitesse d'avance latérale. Assise d'as. Ah ouais, donc ça c'est une espèce de truc comme ça, enfin ça ressemble à ça, mais quand on est quand on fait en dégagement, c'est-à-dire que quand
Ça usine, ça finit, hop, ça se relève au-dessus et ça repart comme ça. Donc c'est à ce moment-là, quand ça part au-dessus, que ça change à cette vitesse-là. Donc voilà, on peut choisir la vitesse d'avance en plongée. Donc c'est-à-dire que ça ira à 300. Et si on choisit la vitesse d'avance, ça ira à 1000 entre chaque. Aucune importance. Sauf si on veut que ça fasse une bonne production assez rapide. Je pense qu'on mettrait vitesse d'avance. Bon. Alors plan de dégagement, moi je mets 1 cm, donc 10 mm. C'est vraiment on a de la. On a de la comment? La marge au cas où il y ait petit souci. La surface, donc profondeur finale, c'est qu'on descend jusqu'à 10 mm. Ça, c'est 10 mm, hein, avec tous ces chiffres-là. La surface de pièce, c'est 0, vu qu'on avait vu... Oups, j'ai fait une bêtise. Tac. Qu'on avait vu que là c'est à 0 ici, donc on est au-dessus, donc la surface c'est 0, et quand on descend on est à moins quelque chose. Donc faut vraiment faire attention à ça, parce que si par exemple quand on vient ici là, aligné, si on met par exemple dessous, maintenant contrôleusement, quand on met dessous, bah du coup notre profondeur finale est de 0, notre surface est de 10. Mais le problème c'est que notre plan de dégagement il est à 10. Du coup ça prendrait, comment dire? Un coup j'ai eu un truc super épais à faire, heureusement que j'y avais fait dans le vide, parce que bah, j'avais mis l'inverse comme ça, j'avais mis 10 et ça avait choisi de faire 10 par rapport à la base ici. Du coup, ben, ça usinait en haut. Et puis quand ça voulait faire plus haut, ben, en fait ça descendait, traversait le bordel, ça remontait. C'était vraiment le truc con. Donc vraiment, c'est un plan de dégagement. Bon, ils disent pas que quand il y a l'erreur là, mais moi j'avais vu des tutos. C'est pour ça que. Je le sais. Donc maintenant je me fais plus avoir. Donc après, bon, ça, on s'en fout. Hein, c'est pas du truc précis. Enfin précis. Du détaillé dessus. On est dessus. Les limites. J'ai jamais touché ça. Ça. C'est tout bon normalement. Voilà. Ça, bon, ben, j'ai pas à toucher. Et c'est le dernier truc qu'il faut faire. Alors, moule, c'est pas un moule, hein, parce que si on met moule vrai, en gros, ça nous usinerait un gros socle avec toutes les pièces dessus. En empreinte, pas en pièces brutes. Donc, point de départ, on s'en fout. Méthode. Ça, on s'en fout aussi. C'est la méthode profilage 3D, donc horizontale. C'est-à-dire que si on met ça comme ça, notre machine, elle va aller comme ça. Voyez, ça va faire des traits horizontaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça. Il y a aussi, du coup, alors il y a plusieurs choix, vertical, donc pareil, dans l'autre sens, comme ça. Ligne de niveau, alors c'est ce qui nous intéresse, ébauche et finition. Bon, on va faire juste une ébauche, hein, besoin juste de découper. C'est pour ça d'ailleurs que y a un truc aussi qu'il faudrait. Si, sur épaisseur, voilà, c'est 0. Si par exemple on avait voulu faire un truc bien pareil avec des formes, hein, bien sûr, je vous conseille une surépaisseur pour l'ébauche. C'est-à-dire que en faisant la première passe, ça usine pas au bord qu'il faut là. Ça laisse un petit peu de matière. Et ensuite, quand on passe la finition, vous mettez 0 et du coup ça vient prendre direct.
Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut. Et on va du coup, alors générer le parcours d'outils. Donc j'ai une un raccourci, hein, contrôle T. Donc, on va l'utiliser, hein, pourquoi pas. Hop, ça calcule. Vous avez vu, c'était rapide. Hein. Et voilà, ça nous a fait des petits traits avec des petites flèches. Donc si on regarde de plus près, vous voyez, ça nous a tout bonnement fait ce que la machine va faire. Voilà. Alors par contre, je vois pas notre plan de dégagement. Normalement, il devrait y avoir des traits orange qui montent. Donc, vous voyez, là, c'est le centre de la fraise. Donc, si on regarde bien, il doit y avoir 3 mm. Ça, c'est 1 mm, 2 mm, 3 mm, vous voyez. En gros. Ouais, on n'est pas bien en face, mais ça fait en gros 3 mm. Donc, on va établir sur toutes les pièces là. Donc, alors, ce que je fais, c'est que je viens sur surface 2. Alors, on va éventuellement trouver les pièces qui sont les unes à côté des autres. Ou tout simplement, pourquoi on est bête? Enfin, je suis bête. Pourquoi on est bête? On va prendre. Hop, je vais voir dessus. Donc là, c'est le plus près. Enfin, c'est le plus près. On aurait pu mettre celui-là. Mais... Voilà, on fait ça. Ensuite, alors, il me semble que si je fais ça. Ah oui, alors comme ça, tac. Non, effet. Pas oh, coller. En fait non, faut que je refasse à chaque fois. Oui, il me semble. Bon, il faut que je refasse à chaque fois. Donc, ben, je vous reprends ben, quand j'ai fini. Alors, ça sera à peu près toujours les mêmes choses. Donc, je vous reprends quand j'ai fini et on verra pour la suite des événements. Donc, à tout de suite. Et en fait, 2 secondes après avoir coupé, j'ai trouvé comment fallait faire. En fait, ben, j'ai. Donc je prends la sélection là. Vous vous rappelez, j'ai copié celui-là, hein, ici là. Donc je prends là. Je fais un nouveau profilage. Je clique droit là. Et je colle le format. Et puis après avec ma touche raccourci, CTRL T. Et voilà, ça me fait le truc. Donc bah là, du coup, on n'en a plus pour trop longtemps. Je vais faire tout ça et je vous reprends ben, tout de suite. Allez, à tout de suite. Et re, donc voilà, j'ai fait tout ça. Quoi dire de plus? Alors oui, je vais vous montrer. Donc on va créer un profil spécial. Hein, oui. J'ai fait mes. Bah, il y a 20 profils, là, du coup. Un profilage. On va tout sélectionner. Ça tabouille un peu. Pas trop être enregistré. Donc j'ai tout sélectionné, voilà. Je demande un profilage 21, donc qui n'aura rien à voir, hein, c'est juste pour vous montrer. Je remets les trucs. Vous voyez, j'ai tout rechargé en fait, hein, c'est exactement les valeurs que je voulais. Est-ce que je peux tout sélectionner là? Oui, je voulais vous montrer indifféremment. Donc, je vais
Je vais déjà faire ça. On va faire calcul un peu plus longtemps. Voilà. Peut-être mieux. Bon, et on va désactiver ceux-là en fait. C'est juste pour voir. Si ça se trouve, je vous dis de la merde depuis le début. Voilà. Désactiver les opérations. On va voir si je désactive celle-là aussi pour voir. Voilà, c'était juste pour voir si ça avait bien disparu. On réactive. Alors ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça... Vous voyez déjà ici, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de passage. Donc voilà, j'ai bien fait de faire comme je disais. Par contre, il y a un souci, c'est que là, on voit tous les déplacements aériens, on va dire, hein, qui ne tranchent pas la matière. Et ici, voilà, j'ai pas compris pourquoi ça fait ça. J'ai vraiment pas compris pourquoi ça fait ça. Alors voilà, du coup, ici, là, il n'y a même rien du tout ici, de ce côté-là. De toute façon, voilà, si vraiment j'ai un problème après, normalement, il ne devrait pas y avoir, parce que entre chaque profilage, c'est obligatoire que ça remonte. Donc les trains n'y sont pas, parce que c'est pas prédéfini dans le... dans le code interne du truc. Je sais pas si on peut refaire ça. J'ai fait une bêtise, quoi. Donc voilà, j'ai trois. Je refais CTRL T pour avoir tous les passages. J'aimerais bien tout avoir en rouge. C'est plus agréable que le vert, parce que le vert ça casse les yeux. Sélectionner. Voilà, mieux, j'ai mis le rouge. Là, vous voyez, c'est interne au profilage, ici. Là, il n'y a rien d'interne, ça fait le tour, c'est tout. Là, ça fait le tour. Ici, alors là, pas compris. Et puis, il va arriver là. Hop. Alors, peut-être qu'il y a plus de 7. Entre là et là. Mais pourtant, là aussi, c'est pareil. C'est le même diamètre. Même là, c'est plus grand que là. J'ai pas compris du tout. J'espère juste que... Et là, il va nous faire une connerie monstrueuse. Ça, c'est du temps perdu, ça. Mais bon, je comprends... Je sais pas comment faire pour... J'ai pas cherché à comprendre. La machine, elle y fait, tant pis. Voilà, donc ça, c'est les éléments. On va passer à un autre. Donc là, je vais... Ah oui, il faut exporter... Enfin, créer le fichier G-code, c'est-à-dire le fichier qui permet, lui, de d'usiner. Là, on a fait que générer pour voir ici. Mais là, on va, hop, créer ici. D'ailleurs, j'avais déjà fait pour le toit, mais je vais vous remontrer. Pardon. C'est à peu près pareil, sauf que comme il y a la machine. Donc, on va enregistrer. Voilà, j'ai ouvrir. Alors, ouais. Ça enregistre tout le bazar qu'on a fait. Là, on va ouvrir le toit bleu. Pour rappeler. Donc, pareil. Alors, je vais vous montrer pour vous voyez la particularité, c'est qu'ici, vous voyez, là, ça va être évidé. Donc on va déjà édition, transformer, aligner, toujours faire ça au début, hein. Appliquer, on ferme. La surface en elle-même est sélectionnée, on fait comme ça et vous croyez que si on fait... Merde, j'avais pas les doigts assez gros. Juste... ouais, alors pour moins 10, un tac. Ouais, ça l'a mis. Enfin, ça l'a mis. Non, bon. Excusez-moi.
Donc les lignes de niveau ébauche. Je vais vous montrer du coup la les résolutions tout seul. Donc pour ça, on n'a pas besoin de grand chose. Là c'est toujours 6, là c'est toujours le numéro 1. On va générer, on va voir ce que ça donne. On va agrandir le truc. Donc vous voyez là, comme c'est interne au profilage, il y a des sorties de visage. Et ici, vous voyez, alors je sais pas si je vais arriver à me mettre comme il faut en face parce que c'est un peu difficile. Et j'arrive pas à me. J'arrive vraiment pas. Allez, ça. Oh là là. Non. Et voilà. Pourquoi je vais dans ce sens? Vous voyez là, il y a les 5 passages, vu qu'on descend par 2 et ça fait 10. Donc, le calcul est vite fait. Hein. 2 fois 5 égale 10. Donc, tac, 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 tac. Mais là, il n'y en aura que 2 qui passeront. 2, 4. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va demander une résolution un peu plus poussée. Voilà, on va voir ce que ça donne. Il nous faudrait un troisième passage. Parce que là, ça nous en enlève 2, je suis d'accord. Mais ça ne nous enlève pas le demi qui doit rester. Il y a un petit souci. Ouais. Normalement, on devrait avoir ici un demi qui s'y fait. Juste pour là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va changer la incrément de passe. Bien que normalement on devrait avoir un truc spécial. Normalement il y a incrément de dernière passe, mais je pense que dans les, non, les 3D il n'y a pas. Et on va mettre 1, ça fera plus de mouvement, mais tant pis. Tac, je vais faire aller plus vite. Vous voyez donc, du coup, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, ça nous racle bien comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, ça nous coupe tout comme il faut. Donc voilà pour le 3D. Oh là, il y a un petit souci, mais moins 15, c'est quoi ça? J'ai pas compris ce que c'est. Donc là pour le 3D c'est fait. Je vais vous montrer avec. Alors on va créer un deuxième qu'on va. Non mais je vais pas sélectionner le même. Oui, c'est pareil. Voilà, là. On va juste, je vais juste vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. C'était quoi, horizontal? On va essayer. Et hop. Donc, vous voyez, ça prend tout horizontalement, tout simplement. Donc là, ça va passer là, après ça va monter, et ainsi de suite, ça redescend. Avec une un recouvrement de 4, voilà. Mais si par exemple on veut plus fin, que ce soit beaucoup plus resserré, on met par exemple 1 et vous allez voir que tous les traits là vont se resserrer, il va y avoir beaucoup plus de passes, voilà, beaucoup plus de passes que prévu. Donc dans notre cas ça sert vraiment à rien. Dans le cas où il y a des formes assez complexes, ça vous lisse la surface d'une force, ça. Impressionnant. Vous faites un recouvrement, je sais pas, de 9, par exemple, 0,9. Hop.
Là, ça fait du brut. Si vous avez par exemple une vague comme ça, là, ça vous ferait des escaliers en fait. À part si vous avez une machine hémisphérique, vous savez, les fraises arrondies au bout. Là, ça vous ferait moins d'escaliers, mais ça vous ferait quand même des vagues comme ça. Et plus c'est resserré, plus ça cherche à faire le truc. Bon, voilà. Du coup, le reste, je ferai en off. Et puis voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et quoi dire de plus, ouais. Si vous avez des questions, ben, posez-les. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, tout simplement. Donc là, hop, pourquoi tu veux pas? Ah oui, ça, on va enlever déjà. Supprimer. Image. Créer. C'est le NC. Hop, enregistrer. Oui. J'avais pas 3. Ça allait pas là, du moins. Je faisais deux passes au lieu de. Bon, vous m'avez compris. Le truc de tout à l'heure que je me disais, merde, qu'est-ce qui se passe? Non. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette série vous plaît. J'ai eu des notifications sur la deuxième ou la troisième. Non, la troisième, je l'ai pas mis encore en ligne. Ouais, la deuxième vidéo sur ça. Franchement, vous avez aimé, je pense. Donc voilà, je continue. Et donc la prochaine, ça sera quand ma machine sera libre, quand j'aurai un peu de temps aussi. Donc peut-être que vous ne la verrez pas forcément dans la semaine, quoi. Il y aura peut-être un petit peu plus de temps. Mais voilà, comme ça, je serai tranquille et ce sera nickel. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir pour les prochaines. Et à bientôt. Ciao !